Je sais que beaucoup vont me le demander. J'ai parlé de la circulation, de l'écoute de l'organisme et comment faciliter la circulation avec ces ingrédients qui sont autour de nous. J'ai parlé du gingembre, j'ai parlé de l'ail, j'ai parlé de l'oignon, j'ai parlé du Centella asiatica, j'ai parlé du xanthocyllum xanthocyloïde. Centella asiatica, c'est une plante que nous confondons surtout avec l'hydrocotylé bonariensis. Il y a aussi les zestes de citron que nous jetons. Le citrus aurantifolia que nous jetons là. Ces zestes facilitent efficacement la circulation sanguine. On peut chauffer de l'eau et y mettre les zestes d'un citron. Deux. Mais si vous souffrez de l'ulcère, ne prenez pas. Là, je parlais du Centella asiatica. Voilà. Il y a l'hydrocotylé bonariensis que nous confondons avec ça. Et les gens disent centenaria, centenaria. C'est le Centella asiatica, ça. Ça facilite efficacement la microcirculation. Voyez. Quand vous prenez l'hydrocotylé bonariensis, c'est une feuille arrondie. Par contre, celle-ci, le Centella, a une fente. C'est la différence seulement. Simplement sans complication. Vous voyez? Ces plantes, vous pouvez les utiliser en infusion. Le gingembre, vous pouvez l'utiliser en infusion. L'ail, vous pouvez l'utiliser en infusion ou manger directement si vous supportez ou si vous ne souffrez pas d'ulcère. L'oignon, vous pouvez aussi manger directement, mais l'infusion est plus efficace pour l'oignon. L'ail, vous pouvez manger. C'est beaucoup plus concentré en allicine, en quercétine, en flavonoïdes. Prenez l'effort de faciliter à forcément, obligatoirement, la circulation sanguine. Là, même si vous avez l'athérosclérose, vous allez prévenir. Sinon, quelqu'un que le pire n'arrive pas. La manière dont j'ai vu le vieux là décédé aujourd'hui, c'est que tout s'est passé au bout de 2 heures chez Anne. Parce que je l'ai vu à 15 heures, on s'est salué. À moins de 17 heures, on m'appelle pour dire qu'il a fait une crise et il est déjà parti. Même une seule tasse. Les matins à jeun, c'est largement suffisant. Tous les jours. S'il vous plaît, la santé, elle est très importante, elle est précieuse.